C'est bon, non? Ouais. Ah, voilà. Tu préfères? Ouais. Je préfère quand c'est plus... On va mettre nos boutons. Moi, je préfère l'autre, mais comme tu veux. Allez. Je suis toute noire, toi, t'es toute blanche. J'aime être blanche. Salut, salut! Bon, aujourd'hui, on revient pour vous faire une petite FAQ. Donc, j'ai trouvé 100 questions. 100 questions. On a intérêt à les vite. Je crois que j'ai déjà fait ça. Avec qui? Tout seul. Ah bon? Non, je sais pas. Ou alors, je devais le faire, ou je sais pas. Bref. Ça me stresse parce qu'il y a beaucoup d'écart au dessus. Bref. Bon. Tu veux lever un peu? Non, c'est bon. C'est ta vidéo, je m'en fous. Alors, première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée. Ouverte. Fermée. Ouverte. T'as pas aimé l'ouvre tout le temps, mais je déteste dormir à la porte ouverte. Mais moi, avant, je détestais avoir la porte ouverte. Je dormais tout le temps. Moi, j'ai peur que quelqu'un me passe. Je les ai vus, hein. Je dormais tout le temps avec la porte fermée avant. Et maintenant, non. Bon. Attends, je lis parce que toi, tu manges. Ensuite, deuxième question. Importes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Oui. Oui. Tout le temps. Toujours. Deuxième. Toujours. Ouais. Allez, on l'a fait dernièrement en Tunisie. Ouais. Tu prends le plus gros. Parce que c'est ma plus grosse. Troisième question. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Moi, bordé. Ça m'est égal. Ah, mais non. Non. Bordé de mon côté, mais de l'autre côté, ça m'est égal. Mais moi, je déteste si la couette elle remonte. Moi, il faut que je sois compressée, il faut que le truc soit calé et que je sente pas d'air. Ah non, 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 la nuit, je peux pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le lit sinon. Ou qu'il y a un loup qui sort du lit, en dessous du lit. Ah ouais, non, comme quand j'étais petite. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, pas que je me souvienne. J'ai réfléchi ou quoi, vous? Moi, je me rappelle pas. Non. C'est quoi cette question déjà? Utilises-tu des post-it? Non. Juste des fois, quand j'ai besoin d'une course, j'écris sur un papier pour pas oublier. Non, non plus. Les post-it, non. Non. Je suis pas très. T'es molle. Non, j'en veux plus. Tout petit celui-là. J'ai mon yaourt après. Mon glace. Découpes-tu des bandes de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ouais, je l'ai fait moi. Ouais. Ça doit arriver à tout le monde. Hein. Ouais. Alors, septième question. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Ça, je me suis toujours posé la question. Une armée d'abeilles? Non, un gros ours. Ah non. Parce qu'une armée d'abeilles, elle a le temps de te piquer, t'as le temps d'agoniser, alors qu'un ours, il te fout un coup, t'es morte. Hein. Et puis voilà, t'agonises pas. Pas dit, il te bouffe pas. On fout. Moi, en y réfléchissant, l'ours. Une abeille, je préfère être piquée que morte. Hein. As-tu des taches de rousseur? Non. Moi, oui. Un peu. Un petit peu. Mais c'est parce que j'ai du fond de teint. Moi, j'aimerais trop en faire des fois. Souris-tu sur toutes tes photos? Non, jamais. Je déteste. Ou alors, ouais. C'est que vraiment, je... À part quand je prends des photos... Non, elle fait une photo? Si, quand on fait la photo avec les abonnés. Ah moi, bon. Je souris tout le temps. J'ai toujours une gueule de cul, au final. Moi aussi, mais c'est pas grave. Quel a été ton plus gros caprice? Ma queen. Ah, toi, oui. Moi, c'était le Mac. Je voulais pas la même part. Non? Ouais. Tiens, je peux tirer tes lanons? Oui. Bah. C'est blanc ou pas? Non, c'est rouge. Ah, moi, c'était le Mac. C'est rouge, j'avais une vidéo après. Bon. Comptes-tu les marches que tu montes? Moi, oui, j'aime bien. J'aime bien quand c'est le nombre pair. Si c'est le chiffre impair, ça me stresse. Alors, moi des aussi. Fois, je les monte deux par deux. Ouais, moi aussi. Comme ça, j'ai fait un chiffre pair. As-tu déjà fait ta petite commission? Besoin de la forêt. Ah ouais, est-ce que... Jamais. J'ai trop peur qu'une bête elle me grimpe dans le cul. Maman, moi aussi. Ah maman, imagine. Ah, moi aussi, j'ai jamais fait. Une mouche ou un moucheron qui trame dans le cul. Ouais, stop. Comment tu fais pour sortir ça après? Je la laisse. Ah, va te balader dans ton intestin. 13e question. Et la grosse commission? Ben non. Ben non. La petite c'est le pipi, la grosse c'est le caca. Merci, je savais, c'est mamie, elle disait ça tout le temps. Je m'en fous, je te le redis. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Ah oui. Tu danses toi? Des fois je suis dans la cuisine. Oui, ou d'ailleurs danse des nichons. Moi aussi des fois. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Toujours. Avant oui, maintenant non, parce qu'à chaque fois je vole des stylos. Et alors? Je vole des stylos et on sait jamais, la personne est... Elle se touche le trou de cul là. Elle se met le petit doigt. Et après elle touche le stylo. Ça y est, maintenant je le fais plus. Après ça m'arrive, mais c'est rare.
Avec oui, moi aussi, ce désordre. Non, mais les miens, oui, bien sûr. As-tu. Non. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une. Deux. Shine. Ah, moi, une. Quelle taille fait ton lit? Moi, il fait. Moi, il fait. 5. 60 sur 200. Moi, 180 sur 200. Quelle est ta chanson de la semaine? Moi, je dirais. Ich liebe dich de Shay. Tu me textes, mais je te laisse un peu. Moi, c'est. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Elle écoute jamais de musique. Ne lui demandez pas de playlist, ça sert à rien, elle a que des vieilles musiques. C'est vrai. Est-ce ok de porter du rose? Arrête de bouger, tu me fais trouble, on voit que toi. Mais normal, je suis noire. Est-ce ok de porter du rose? Oui. Pourquoi pas, je m'en fous. Ouais. Regardes-tu encore les dessins animés? Des fois. Non, ça m'énerve, mais non. Quel est, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Aladdin 2. Il s'appelle Aladdin 2. Aladdin 2. Voilà. Et il était cool, hein? Ou cache, il était drôle. Ouais, c'était marrant. Ouais. Tu veux s'épouser de moi? Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Entre mes deux fesses. Moi, je le garde sur moi. Moi aussi. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai un, ou dans mon soutif, ou dans ma culotte. Ça dépend ce que c'est, parce que si c'est une table si c'est de chevet, un gros truc. Je le garderai pas chez moi déjà. Je sais pas. Moi, si j'avais un gros trésor, je pense que je louerais un coffre-fort à la banque. Comme même. Ouais, je sais pas. Pourquoi? Elle avait un coffre-fort, elle a rien chez elle. Que bois-tu en mangeant de tout? Oh! Elle a quoi? Surtout pas d'eau. Surtout pas d'eau et surtout du gazeux. Parce que si je bois pas tout de gazeux. De moi. Si je bois pas de gazeux. J'ai pas dit des cacahuètes, hein? Mais moi. Si je bois du gaz. Si je bois pas de gazeux, je suis pas calée. Ah, moi non. Surtout pas de gazeux et de l'eau ou du jus, ça dépend. En fonction de ce qu'il y a. Mais surtout pas de gazeux. Avec quel. Bon, quoi, je dis ça tout à l'heure, je mangeais du Fanta. Mais c'est pas pareil, c'est t'as mangé du Fanta? J'ai bu. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets barbecue? Moi, sauce blanche. Curry. Ou sauce, tu sais la. Nuggets avec sauce blanche. Ouais, je n'aime que la sauce blanche. Moi. Ou mayo. Ou la sauce. Brésilienne. Non, arrête de me couper à chaque fois. Ou la sauce. Vous savez, la sauce aux herbes. Ça se mange pas avec des nuggets, ça? Moi, je mange tout comme la sauce de luxe. C'est la sauce blanche. Mais sûr, ça, les nuggets, quand tu les prends, t'as la sauce de luxe, gugus. Quel est ton plat préféré? Écoutez ce qu'elle va vous dire. Hein. Brocoli. Non, je connais des trucs dégueulasses, elle. Et mon plat préféré. Mais c'est quoi ton plat préféré? McDo. Non, j'allais pas dire ça. T'allais dire quoi? Je sais pas. Mon plat préféré. Les lasagnes. En ce moment, c'est la salade de concombre tomate. C'est une salade, c'est pas une plat. Mais c'est pas grave, je mange beaucoup ça en ce moment. Sinon, non, franchement, c'est les pâtes. On les mange à toutes les sauces. Moi, les lasagnes, j'adore les lasagnes. À tout. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? La ligne verte. Bien ça. Ouais, ou. Un film que j'ai grave aimé. Non, c'est toi le contraire. Mais il est marqué là. Quatre fois. Où? Ah ouais, j'avais même pas vu, tu vois. Attends, c'est quoi mon film que j'ai trop aimé, que j'ai trop aimé regarder? Titanic. J'ai trop aimé. Mais il est long. La dernière personne que tu as embrassée? J'embrasse personne. Non plus. Shaïn. Moi personne, encore moins Shaïn. Quel horaire. Shaïn, t'as entendu? Quand tu t'approches d'elle. As-tu fait les scouts? Non. Jamais. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Oui. Pourquoi pas? Si j'étais bien foutue, oui. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Moi, c'est un cours. Mais c'est pas une lettre. C'est une lettre. Une lettre pour Boursorama, pour Thyssen, parce qu'elle a eu 18 ans, donc il fallait changer de compte. Moi, c'est un cours. Non. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Elle a vraiment répondu non, quand même. Hein. Oui. As-tu déjà eu un PV ou un excès de vitesse? Oui. Moi, jamais. Tomber en panne d'essence de voiture? Oui. Pas oui. Moi, ben non, du coup. Ton sandwich préféré? Saumon beurre. Big Mac.
Un sandwich genre avec le pain et tout là. Bah, je sais pas, ouais, non, ouais. Ouais, moi aussi, sous mon beurre. Je dirais. La meilleure chose au petit déjeuner. Des tartines de Nutella. Moi, des tartines grillées comme ce matin là, que je grille sur le gaz avec du beurre. Tartines de Nutella. Ou alors, je sais pas, je sais pas. Matin, moi, je mange. Le Nutella le matin, moi, ça me dit rien. Ah ouais, moi, oui. Mm. Moi, j'aime tout, petit déjeuner de toute façon. Hein. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Oula, tard. Ouf, 2, 3, 4, 5 heures du... Non, 5 heures c'est rare, mais ça m'arrive. 2, 3, 4 heures du matin. Ouais, on se couche tard. Bon, moi pas autant quand même, hein. 2 heures, 3 heures, je suis KO déjà. Es-tu feignante? L'hôpital qui se fout de la charité, s'il vous plaît. T'es pas feignante? C'est qui fait tout le ménage de la maison toute la journée? On appelle papa. Ah, on m'appelle papa, c'est qui fait le ménage dans la maison? C'est qui est feignante? C'est qui? On est toutes les deux feignantes. Retenez bien ça, on est toutes les deux feignantes. Moi, je suis feignante? Toi, tu es feignante. C'est qui fait le ménage tous les jours pendant que Bibi est couchée sur le lit avec son téléphone? Elle est feignante. Chahine! Viens voir. Viens voir, vite. On va voir. Vite, vite, c'est urgent. Bref. Sa parole contre la mienne, vous croyez. Bah, c'est qui me voit faire le ménage tous les jours? Non, regardez, c'est mes pas parce que tu fais le ménage que t'es pas feignante. Feignante dans le sens où t'as toujours la flemme de faire quelque chose. Ah, pas que tu le fais pas. Ah non, mais dans ce sens-là, oui, je suis feignante de faire du sport et de me lever. Voilà, elle est autant feignante que moi. Mais après, pour le ménage, y'a que moi qui fais le ménage ici. Non, arrête, t'es une grosse mytho, tout le temps je t'aide. Arrête, tu me vides de la vaisselle, c'est tout ce que tu fais. Je vous jure, ça c'est de la mauvaise foi. Vous savez ce qu'elle mérite là? Qu'après elle va aller débarrasser le manger. Au nom de Dieu que c'est toi qui débarrasses. D'accord. C'est que toi, tu te fais que débarrasser de la journée. On verra. Je te le laisse pour demain. Oui. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Il n'y a plus de batterie. Oh, déjà? Toi, tu te déguisais toujours en sorcière. Normal, tu savais maquiller que ça. Un zombie. Moi? Oui. Ouais. Le déguisement de Jiffy. Et toi? Moi, j'ai jamais fait Halloween, petite. Hein? Jamais. Si, je me suis déguisée en squelette, là, quand on est parti à Walibi. Ah ouais. J'avais fait le maquillage. Quel est ton signe astrologique chinois? Le chien. Moi, j'en ai aucune idée. Combien de langues peux-tu parler? Une, c'est déjà beaucoup. Il faudrait déjà arriver à parler le français, ça sera bien. Moi, quatre. Le français soutenu, Tissène, est-ce que tu le parles? Je parle le latin et tout, moi. Ouf. Es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Domino. Es-tu têtu? Oula! Moi non. Moi non plus. C'est ça. Quand tu demandes un truc, elle a dit non, elle va pas dire oui. Ah ouais, bah moi non, c'est non. Hein. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. Quoi? Qui est la plus feignante entre Tissène et moi? Tu vois, ça veut dire vous êtes pareil. As-tu peur du vide? Ouh, ouh là là, ne demandez pas ça à elle. Elle fait un malaise du premier étage. Il était comme ça. Tu m'as coupé. Donc je disais que oui, moi j'avais pas peur du vide, pas du tout même. Chantes-tu dans la voiture? Oui. Oui. On danse même. Ouais. Chantes-tu sous la douche? Oui. Ah non, non, sous la douche non. C'est rare, hein. Ouais, non. Ça m'arrive, mais c'est rare. Ça, c'est les gens qui chantent sous la douche, c'est ceux qui sont heureux, je crois. J'ai jamais vu quelqu'un chanter, moi, sous la douche. À part dans les films. Ouais, je vois. Danses-tu dans la voiture, donc? Ben, on a oui. Répondu. Utiliser un pistolet? Oui, les nerfs. Non, un vrai, on a déjà. Non, jamais. Si, moi j'ai utilisé le fusil à papy. Moi non. Au Batra, enfin, il m'avait fait essayer. Si, moi aussi. Quoi, toi aussi? Je savais bien que quelqu'un m'avait fait tirer un jour. Peut-être. Ça devait être Batra, hein, parce que je vois pas d'autres. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Moi, oui, j'avais fait des photos quand j'étais plus jeune. Moi aussi. Avec un photographe professionnel. C'était même passé dans le catalogue de Fabio Lucci. Ouais, Tati. Les deux. Aimes-tu les comédies musicales? Non, je déteste ça. À part quelques chansons, mais sinon je déteste. Ah, moi aussi. Noël est-il stressant pour toi? C'est la meilleure fête de l'année. Ouais, c'est trop bien. La meilleure fête de l'année. Ah ouais, non, mais là, on a le temps. J'adore. As-tu déjà mangé un pierogi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aussi, elle a dit c'est quoi? Aucune idée.
Dites-nous ce que c'est un pierogi. Ouais. C'est faux, ça dit pierogi, non? Pierogi, ouais, peut-être. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux framboises. Moi, soit la tarte aux pommes. Soit la tarte meringue au citron. Aux abricots aussi, c'est bon. Le citron meringue. Mmh. Tarte aux framboises, j'adore. Moi, j'aime pas ça. Oui, justement. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Pourquoi tu me tournes le téléphone, je vois pas. J'adore, moi. Moi, je voulais être coiffeuse. Moi, je voulais être quoi quand j'étais petite? Moi, je voulais être coiffeuse et après, je voulais être conseillère en images. Mais... Moi, je voulais être pompier, je voulais être docteur, je voulais être dentiste, je voulais être sage-femme, je voulais être... Et à la fin, tu vas être caissière chez Lidl. En vrai, franchement, si jamais je peux réussir dans la psychologie, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Bon, après, sinon, en soi, il n'y a pas vraiment un métier qui m'intéresse plus qu'un autre. Ouais, métier, c'est un métier. Ouais, voilà. Y a pas de sous-métier. Ouais, mais il y a des métiers que j'aime pas. Il n'y a pas de sous-métier. Ouais, on va dire. Mais caissière, tu vois, ça m'intéresse. Après, il y a du travail plus difficile que d'autres. Voilà. C'est-à-dire, manutentionnaire, des trucs comme ça, c'est hyper difficile. C'est quoi ça, manche? C'est quand tu t'es dans les réserves ou quoi, tu bouges les cartons, ou alors même... Ah, ouais. Ou genre préparateur de commandes, ouais, dans les usines, quoi. Ouais, ou même manutentionnaire, ça peut être en magasin. Non, ça s'appelle pas quand tu ranges dans les magasins, je sais plus. Mise en rayon, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est chiant, mais j'avais pensé à un truc là, mais j'ai oublié quoi. Quelle horreur. J'ai fait 3 mois, j'ai détesté. Quand t'as dit mise en réserve, j'ai pensé à un truc, mais j'ai oublié quoi. Oh bon, je sais plus. Dommage. Crois-tu aux esprits? Oui. Moi aussi. As-tu des impressions de déjà vu? Ah oui. Ouais, tout le temps. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Jamais. Jamais. Je déteste mes pantoufles préférées de toutes les couleurs. Un peignoir, jamais. Tous les jours, tout le temps, jamais. Que portes-tu pour dormir? Moi, culotte. Moi, tout le temps des gélabas là. Moi, culotte et t-shirt. Je ne peux pas dormir avec un pantalon. Mais pantalon, c'est le truc avec quoi je pourrais jamais dormir. Ah, et quand je suis dans mon lit, j'ai pas de pantalon, tu me dis. Toi, t'as pas de culotte, c'est pas pareil. Non, moi, j'ai pas de culotte. Moi, je mets une culotte. Mais si j'ai. Par contre, dormir sans culotte, je peux pas non plus. Ah, moi, j'aime bien dormir sans culotte. Mais ouais. Par contre. Ou une robe qui tourne aussi, c'est chiant ça. Moi, si je pouvais dormir à poil, dormir à poil. Ouais, même moi, c'est papa, il me dit mimi. Ouais, on a pas le droit de dormir à poil dans cette maison. Ouais, grave. C'est pas trop bien ça. On peut pas laisser foufou naérer là. T'as des poils sous les bras, évitez-le. Non, j'ai pas de poils sous les bras. Ah, ça fait des taches, regarde le. Ouais, c'est vrai, mais. Ouais, c'est pour ça. Non, non. J'avais une forêt de poils. Tu m'as fait plaire d'un coup. Ton premier album reçu. Moi, j'en avais eu un album petit, c'était pas Laurie. Peut-être. Moi, c'était. Quoi? Oh, t'as un bouton là. Juste ouais, sur ouais. Le nez. Moi, c'était Sniper. Ou Céline Dion. Moi, je pourrais, j'en ai eu plein d'autres albums. Moi, non. Carrefour Delhaize. C'est quoi ça? Ou Lidl. Lidl. De toute façon, on n'a pas les autres chez nous. Nike ou Adidas? Nike. Ah ouais? Ouais. Toi aussi? Moi, j'aime pas Adidas. Hamburger ou frites? Les deux. Frites. J'aime pas les hamburgers. Après, ça dépend où. McDo, non. Mais quand je vois un burger, ça me fait passer à McDo direct. Champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. C'est rouge, c'est plus joli. Joli. Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ça existe ça? Je sais pas. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui. C'est de la danse orientale, du hip-hop. C'est tout. De la gym. De la gym, mais c'est pas de la danse. Ouais. Moi, j'ai fait danse classique, danse jazz. Et voilà. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Chirurgien. Comme ça, il me refait les thèses. Moi, mon futur mari... Esthétique. Ou dentiste qui me fait des belles dents. Moi, j'aimerais que ça soit... Moi, le prince. C'est rare. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Je crois que je sais rien faire avec ma langue. Si, moi, je sais faire une triple bouche. Génial. Oh, tu serais belle avec des grosses lèvres, toi. As-tu déjà gagné une coupe? Oui. En groupe. À la gym, quoi. Moi aussi. Au judo. C'est au judo. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. Moi aussi, je crois. Bien sûr. De rire? Oui, t'as pleuré de joie à ton anniversaire. Ah oui, et de rire aussi. Ah, mais de rire plus d'une fois. Tout le temps.
As-tu un quelconque vinyle? Oui. Non. Vinyle, c'est les pantalons Sky là. Non, c'est pas les disques, les vinyles. Je veux pas un vinyle, pour moi c'est les pantalons là. C'est les disques, je crois. Ah ben alors non. As-tu un tourne-disque? Voilà, c'est tourne-disque, ça va avec. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Avant t'en brûler. Avant, oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Nakamura. Et moi? Ou Tchoul, ton soprano. Oui. Qui est-ce qui a des fans? Moi j'aimerais bien voir beaucoup de personnes en vrai. J'aimerais trop là des concerts, mais ils veulent pas eux. Le dernier album que tu as acheté? J'achète jamais d'album. Moi non plus. Jamais. Je télécharge. Ils sont assez riches pour que je les enrichisse. T'es chaud ou t'es glacé? Chaud. Moi les deux. Ça dépend. Thé ou café? Thé. Café, mais avec du lait. Ouais, café au lait quoi. Avec du sucre ou petit gâteau? Avec les du deux. Sucre. Moi les deux. Ouais, les deux. Sais-tu bien nager? Moi je me noie, moi. Au bout de 2 minutes, je coule à pic. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Pas du tout. Moi pas du tout non plus. DJ ou groupe pour un mariage? DJ. Quoique personne, ça suffit, hein. Tu te mets ta musique et puis basta. Parce que merci les DJ. C'est toi qui choisis ta playlist. Au bout de la nuit, qui c'est qui? Non. Regarde Kelly, elle a choisi sa playlist. Ouais, c'est vrai. Tout sur clé. C'est vrai. Il y a des DJ, des fois, quand tu leur dis ouais, tu les payes logiquement, ils sont obligés de faire ce que tu veux. C'est ton mariage, c'est pas le leur. Ouais, c'est vrai. As-tu déjà gagné à un concours? Oui. J'avais gagné le Revue Talache. Moi, non. Oui, mais je crois pas en fait. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui. Moi aussi. Je me suis refait faire le nez, regardez. Le nez, les lèvres, les sourcils, les yeux, les oreilles, les seins. T'as tout fait, toi. Voilà. Machalote. Olive verte ou noire? Verte. Déteste les olives noires. Sais-tu coudre ou tricoter? Les deux. Bof. Moi, coudre, bof. Meilleure pièce pour une cheminée? Une pièce. J'aime pas ça plus. Moi non plus, mais bon, sinon, c'est le salon. Ouais, oui. Veux-tu te marier? Non. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Moi, ça fait 8 ans. Moi, ça fait 37 ans. Mmh. Avais-tu un amoureux en primaire? 4. Ah bon? Il y avait Stéphanie, Georges, Michel et Henri. Elle s'appelait vraiment Stéphanie? Il s'appelait vraiment Stéphanie? J'invente. Ah! Quelle est con celle-là? Mais moi, je te crois! Je me dis, je te crois! Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Moi, je pleure jusqu'à ce que ça aille mieux. Moi je pleure pour rien. Hein. Moi aussi, je me pince l'orteil là, je pleure toute la nuit. Moi j'aime bien pleurer, ça fait du bien. Tu pleures jamais? Bon, moi je pleure tout le temps. Ah ça c'est vrai. Je suis une pleurnicheuse. As-tu des enfants? 2. Non, j'en ai pas. Je vous présente Michel et Jean-Pierre. Moi j'en ai pas. Je suis célibataire. En veux-tu? Non. Non, non merci. Hein. Quelle est ta couleur préférée? Toi, tu vas dire noir? Non. Hein. Le rose, j'aime bien, ces filles. Moi, j'aime tout. Moi, j'aime le rose, le vieux rose. Moi, j'aime tout. J'aime les couleurs. Le vieux rose, beau rose, là, vieux, là. Ouais, le rose pâle. Oui, aussi, j'aime. Le vieux rose. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Moi. Regardes-tu Koh-Lanta? Oui. Affirmatif. Enfin, bref. Bon, voilà. Vous connaissez un petit peu plus quelques questions à propos de nous. Voilà. Maintenant, il faut faire la vidéo. Voilà. Mange un autre bonne petite. Tu veux pas manger notre glace? Je ne mange un paquet de MMs. Tu veux pas de glace? Si. J'allais dire, c'est pas grave, ça sera bien pour moi. Bon, allez, on vous laisse. Bref, voilà. Allez, rendez-vous sur ma chaîne pour la prochaine vidéo. Non. Je dis quand ça. Je vais. Ça a volé ou pas? Moi, je m'en fous, dans ta vidéo, tu vas te décoiffer. Moi, je m'en fous, j'ai des poils au cul. Allez, bisous. Bye.